Bonjour tout le monde, bienvenue sur Palmislan. C'est la première fois que vous montez à bord. Pas oublier avant d'aller, il y a un bouton subscribe, puis vous appuyez pour capable être connecté. Comme ça, vous activez la cloche notification pour avoir l'information que nous partagez avec vous. Nous venons parler où de Haïtiens ou Japonais. Ça, c'est pas mal regarder là, avec qui sont Haïtiens. Ça, c'est les devises d'Haïti. Eh bien, Haïtiens ou Japonais, nous voulons parler de Naomi Osaka. Eh bien, finalement, il finit par choisir nationalité japonaise. Pas oublier que c'était établi avec double nationalité, il était un US citizen, puisque la loi dans le pays Japon bat la possibilité ça. Mais il a dit que depuis qu'il a 22 ans, il faut choisir. Il n'a pas choisi nationalité. Depuis qu'il a 22 ans, il a perdu la possibilité pour la nationalité japonaise là. Donc, il a annoncé officiellement qu'il a abandonné la nationalité US citizen. Donc, lui, présentement, japonaise, et donc, parce que lui, il a 22 ans, dans 5 jours, 7 octobre, 16 octobre, Gavin là, il a 22 ans, donc, lui choisit nationalité japonaise, là, notamment pour le capable représenter, justement, le Japon dans Jeux Olympiques 2020, Gavin là, yo. Et donc, nous voulons rappeler pour vous que Naomi Osaka, gagné back to Grand Slam côté qu'il était arrivé battre Serena Williams, mais depuis là bah yo il vient changer entraîneur lui bah yo vient mal marcher, il perd US Open, donc bah yo pas bon même. Donc ces derniers jours, eh bien l'obligé reprendre Papal comme entraîneur. Depuis là il commence à fonctionner à Papal, ça gagne à peu près yon 2 mois comme ça, 2 mois, 1 mois et demi bien entendu, depuis le commencé abandonner à Papa. Les bagages ont changé. Eh bien, Ligue 1 t'en prend 2 grands titres et il était descendu en 4e position. Kounial parmi les top 3, il retourne parmi les top 3. Parce que victoire sur là, c'est des victoires importantes. Pas oublier que les sur Bianca, qui est-ce qui est Bianca? C'est si dame ça qui sortit au Canada, qui fait que sort prend US Open. Li bat numéro 1 en tout. Donc, c'est pas jouer tout le monde que le sort bat là. Donc, il vient que lui retourne le bac. Dans le top 3, il reprend forme, il reprend confiance parce que il n'a pas bien marché du tout. Donc, Naomi Osaka qui vraiment reprend forme et que il va suivre performance li au niveau de Jeux Olympiques Capvin. Donc, définitivement, il a abandonné statut ça. On monde a dit, est-ce qu'il y a une très bonne décision pour l'aide considérant le privilège qu'il gagne lorsque c'est US citizen. Mais ça, vous comprenez, Naomi Osaka, ce n'est pas n'importe qui, donc c'est une superstar. Naomi Osaka a gagné des contrats avec plusieurs compagnies, c'est des millions de dollars, pas un problème, comme il a un problème de notoriété. Donc, ça veut dire que c'est les États-Unis qui ont plus besoin qu'ils ont besoin. Donc, lui, définitivement, présentement, japonaise, il y a des gens qui ont dit, est-ce qu'elle peut pas prendre la nationalité haïtienne dans tout? Et pas oublier que Haïti pas bon droit pour jouer sans d'arriver les doubles nationalités, bien que débat a fait sous ça, mais officiellement le beaucoup actif causé double nationalité. D'autant plus, l'ITKMB nationalité et US là, c'est justement ça qui est une bonne opportunité pour le capable entraîner l'école, un ensemble d'opportunités que ça balie. OK? Donc, présentement, il va comprendre que choisir nationalité japonaise, là, il sentit qu'il est le plus attaché avec lui. C'est deux choses. Et quelque part, tout, il a plus de valeur, tout, parce que USD a un gros monde qui est dans le domaine. Non, là, parce que Serena Williams, l'autre encore, et Tipiti Cap fait monter la valeur de Coco, qui est vraiment bon, qui t'a fait de très belles performances. D'ailleurs, c'est Naomi qui t'est arrivé à battre lui. Mais il a un peu d'espoir, il a suivi lui, Kokoff, bien entendu. Et donc, voilà, et Naomi Osaka qui a abandonné nationalité US citizen pour prendre nationalité et japonaise. Nous souhaitons le succès et dans la carrière. Et toujours, tout, il va jamais bouquer, manifester attachement li à pays d'Haïti. Il va jamais oublier et dans différentes interviews, rappeler tout le monde qui côté le sorti et qui li gagne justement penchant. Il gagne racine en Haïti, d'ailleurs il vit en Haïti à plusieurs reprises. Bon, ces derniers jours, nous ne pouvons pas dire qu'il a mis pied dans le pays parce qu'il n'a pas un côté pour recevoir personne.
Nin, par contre, pour combien de temps là? En tout cas, nous devons update ça pour de dernière décision ça de la part de Naomi Osaka, haïtienne japonaise. Nous souhaitons du succès dans la carrière. Ok? Donc, rebranchez, connectez parce que des informations pertinentes qui concernent les communautés noires, nous partageons avec vous. Portez-nous bien.